Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne Clayton Derry dans ce chorégraphe depuis l'Italie. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très simple, quelque chose de facile, voilà. Une petite chorégraphie qui dure moins de 20 secondes. Voilà, c'est juste pour s'amuser. Ici, no stress. Ok? No stress. Pas besoin de stresser ici. Ici, on est tranquille, c'est la famille, on s'amuse, voilà, on est dégagé. Le tutoriel, c'est pour sans effet. Sans effet, le son de taille et de taille. On va commencer le grand 1. Le grand 1, il est facile. Main droite, pied gauche. On va vers la gauche. Main droite, pied gauche. On se déplace vers la gauche. Ok, on fait 1. Et dans ce cas, après, on appelle ça balayage. Ça, c'est un balayage. La tête va dedans. Vous voyez? 1. Voilà. On fait 1, 2. Main droite, 1, 2, 3. Voilà. Vu qu'on a le pied gauche en suspension, on va laisser tomber et on va de l'avant. 1, 2, ok? Donc, on fait droite, gauche, 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la main droite, qu'est-ce qu'elle fait? Je prends mon pistolet, je le charge, je soulève l'épaule avec la tête. Donc, c'est un mouvement qui est composé de trois petits mouvements. Et donc, on fait 1, le pied et la main ensemble, puis l'épaule et la tête. Ça fait 1, 2, 3. On tombe et on va 1, 2. On tombe avec le pied gauche et on avance avec le pied droit. 1, 2. Ok? Maintenant, le 4, le quatrième pas, on soulève. 1. On ferme et on ouvre. Voilà. Mais on le fait des côtés. 1, 2, 3. Parce qu'il dit non. Donc, quand tu fermes, tu bouges la tête, tu ouvres, tu retournes. Ok? Je tourne la tête vers l'arrière, je la tourne vers l'avant. Je tourne la tête vers l'arrière, je la tourne vers l'avant. Comment faire pour soulever le pied? On soulève le pied comme ça. Voilà. Donc, on fait 1, 2, 3. Et puis, on bouge maintenant les hanches. D'accord? Donc, on bouge les hanches. On fait 1, 2. Donc, on bouge les hanches. On fait 1, 2. Donc, on va le mettre ensemble. On fait 1, 2, 3. 4 et 5. Après cela, on va faire un pas du Cameroun. C'est un pas du Mbole qui est un mélange de danse traditionnelle au Cameroun. Voilà. Donc ça se passe comme ça. On met les mains ensemble. On saute avec le pied gauche. On va avec la droite. Vous voyez? Donc on fait. On soulève le pied droit. On appuie avec le pied gauche. Donc on fait 1. On tourne. 2. 1. On tourne. 2. Ok, puis on fait 1, 2. Le troisième, on fait comme ça. Ok? Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Voilà. Et quand nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait bloquer. Voilà. Donc, on bloque comme ça. Maintenant, on soulève le pied droit. On tourne, parce que le pied droit, ça fait un mouvement un peu genre serpent, voilà. Tu vois le game, donc ça fait comme ça. Mais juste dire, on le fait en sautant. Donc on fait serpent, on saute, on tourne. Que fait le pied gauche? Le pied gauche fait juste un mouvement de l'arrière, juste comme ça. Vous voyez? Donc ça fait 1, 1, 2, 3. Ouais. 1 avec le droit, 2 avec le gauche. Vous avez vu? Donc c'est un ensemble de 3 pas. Le premier, c'est le droit, j'ai fait serpent. Et les deux autres, c'est le pied gauche qui accompagne. Ça fait 1, ça fait 2. Donc il ressort en fait. On le laisse derrière, il se retrouve où il y a le pied droit, et après il ressort. Ouais, c'est juste cet échange-là. Donc on fait 1, 2, 3. Puis pas suivant. On va tourner avec le pied gauche, on va aller vers la droite, mais on tourne avec le pied gauche, on le soulève, petit gifle au, ouais, voilà, je ne vais pas prononcer la parole, voilà, petit gifle ici, on arrive avec le pied gauche, on ouvre avec le pied droit, donc on va faire 1 et 2, ça se passe 1 et 2, quand on le fait de deux tournées, commençant en allant vers la droite, c'est-à-dire on ouvre avec le droit, après on ouvre avec le gauche,
Et puis, tac, il dit non, non. Donc, on va faire non, non. Un, deux, trois. Puis, on va faire un saut. Pour aller pour faire le saut, le pied droit derrière et le pied gauche va de l'avant. Donc, sautille, on fait droit, gauche. On va, on arrive, on arrive. On soulève notre tricot et on fait boum. Voilà. Boum, voilà. Boum. Ça, c'est le dernier. Vous voyez, c'est très facile, c'est court, c'est juste pour s'amuser. C'est pour débutants, il n'y a rien de compliqué. Ça dure environ 20 secondes. Et elle est facile. Voilà, voilà comment nous pouvons vibrer sur la musique de Taïk et de Taïk. Voilà, on va reprendre toute la chorégraphie ensemble et on voit ce que ça donne. 1, 2, 1, 2, et 3, 1, 2, et 4, 1, 2, et 4, 1, 2, et 4, 1, 2, et 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, voilà. Voilà les amis, ouais, c'est très facile. Vous avez le lien de la danse vidéo avec la musique en description. Vous pouvez aller la regarder. Vous allez mieux comprendre. Elle est très facile. Pas besoin de se compliquer la vie. Vous avez le tutoriel. Donc, c'est à vous de jouer. Voilà. Vous avez le matériel. Bienvenue sur ma chaîne. Et on se voit la prochaine.